Thank you.
Bienvenue à cette soirée League of Legends de la LCE. Ce soir, au programme, trois matchs très importants pour la course aux séries. Le premier qui opposera les Gaillards du Cégep de Jonquière aux Cavaliers du Collège Champlain. Et le deuxième match qui sera de la Série A et le troisième match, et on s'en va à 21h pour celui-là, qui sera de la Division C entre Horizon et Rebelles de la Division C. Pour le premier match, je me nomme Guillaume Guil89 et je suis en compagnie de Docteur Darat. Comment ça va, Docteur? Ah, ça va assez bien. La pré-saison arrive bientôt et les changements sont assez surprenants. Et j'avais raison pour les attaques de Senna. J'avais dit que ça allait être des attaques à charger. C'est pas exactement ce qu'on a eu, mais c'est assez proche. Effectivement. Pour ce qui est du match de ce soir, là, si on regarde ça, deux équipes qui sont dans le haut du classement de la division B, on a du côté des Gaillards une fiche de 4 victoires, aucune défaite, et du côté des Cavaliers, 4 victoires, une défaite. Ce que ça donne, c'est deux équipes qui peuvent soit s'emparer à eux seuls du premier rang ou aller égaliser les Atlas au premier rang. Donc, c'est vraiment un match qui a beaucoup d'impact pour la course aux... Ben, pas la course aux séries, parce que ces deux équipes-là font les séries, bien entendu, mais pour avoir un bon placement en vue des séries éliminatoires. Est-ce que, selon toi, il y a une équipe qui est un peu plus favorite que l'autre? Ben, honnêtement, si on regarde les classements, en moyenne, ça devrait pencher pour les Gaillards au lieu de Champlain. Par exemple, on a Trapper Trick, qui semble pas avoir de rank, mais on nous dit qu'il est gold, mais il est niveau 184. Ça va être assez dur de déterminer ce qu'il est capable de faire. Et on va commencer les bans. Donc, le Champ Select qui commence. Et tout d'abord, le premier ban du côté des Cavaliers. Et on ban Morgana. Donc Morgana, là, qui est communément jouée en support, mais qui peut être aussi jouée au mid lane. Et on va bannir Qiyana du côté des Gaillards. Un assassin assez utilisé cette temps-ci, assez efficace, assez puissant. Ouais, Qiyana, on voit des parties où les joueurs qui la jouent soit sont très 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 dominants et amènent leur équipe à la victoire, ou nuisent à leur équipe et sont très 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 en difficulté. C'est un couteau à double tranchant, comme l'expression le dit. Ouais. Et on va bannir... pour... un ban de Swain et de Kennen. Et là, du côté des Cavaliers, le troisième et dernier ban avant nos premiers choix. On va y aller. Est-ce qu'on va y aller pour un autre mage? C'est une question à se poser. On y va pour la Xayah. Donc, on a fait nos devoirs, là, parce que du côté des Gaillards, Xayah, Rakan ont été joués à deux reprises dans les... ou peut-être même plus, mais deux reprises dernièrement par Jonquière. Désolé, mes oreilles, c'est un peu, il y a eu des petits problèmes techniques d'audio. Mais on bannit... du côté de Jonquière, on a banni beaucoup de personnages de Crowd Control. De Champlain, on a banni du Crowd Control, puis de l'autre côté, on bannit des assassins de mouvement. On semble... Alors, c'est ce que je pense, c'est... les Gaillards semblent vouloir y aller pour une stratégie de crowd control. Et là, on y va avec un Yasuo, probablement pour Basking Leo. Basking Leo sur Yasuo a joué 247 parties cette saison. Donc c'est sûr que c'est un joueur habitué de Yasuo. Pour ce qui est du côté des Gaillards, on a un choix de Zac, premier choix, et c'est le jungler le plus joué pour Soli avec 31 parties, mais chose à souligner, c'est 61% de parties gagnées. Bon, on va y aller avec Cassiopeia en mid lane aussi pour les Gaillards, qui est pas forcément le premier choix... Ben, non, c'est le premier choix de Dilix, qui se trouve... Dilix? Ouais, c'est Dilix qui va être en mid lane. Qu'on voit en haut. Et Cassiopeia contre Yasuo, ça peut être quand même un très bon pick grâce à son W qui empêche le Yasuo d'utiliser son déplacement. Mais ça peut être facilement déjouable avec le super Windwall de Yasuo. Je suis pas sûr que ce soit considéré comme un projectile, mais dans ces cas-là,
Le truc, c'est de le mettre un peu devant Yasuo, parce que comme ça, même s'il fait son Windwalk, ça va tout simplement atterrir juste devant le mur. Et là, on y va pour Olaf, qui va sans doute être dans la jungle, ou peut-être encore à la top lane, mais prêt à parier qu'il sera dans la jungle, ce Olaf. Et on a pris une Vayne en ADC, quand même un pick assez commun ces temps-ci, mais on a pris Olaf parce que c'est un personnage que, contre Cassiopeia, contre Zac, tu veux l'arrêter? Non, il ult, tu peux plus l'arrêter. Oui, c'est sûr que probablement qu'on a regardé là, la composition de l'autre équipe. On n'est pas nécessairement allé avec un choix qui est confortable. On est vraiment allé avec un choix qui va nuire à l'autre équipe pour tenter d'aller chercher le plus d'avantages possible. Donc, on enchaîne avec un ban de Akali. On croit probablement là, que le Yasuo irait peut-être à la bot lane, mais avec une Vayne... Vas-y. Donc, du côté des Gaillards, on va procéder au dernier ban. Le dernier ban... Très aimé. J'ai encore un problème technique. Est-ce que tu m'entends, Guillaume? Oui, je t'entends. Je crois que ça a coupé quelques fois. Et on y va pour un ban de Pyke. Un support qui est très utilisé ces temps-ci. Ben, support en même temps, c'est un des plus gros assassins. Et son ult qui permet de partager l'or avec un allié, ça cause problème d'après plusieurs personnes. Ça devrait être retiré d'une certaine façon ou nerfé. C'est sûr que c'est très efficace. Et là, on y va pour un choix de Leona à la botlane du côté des Gaillards. Donc, Leona qui a été joué quand même assez régulièrement, là, si on regarde du côté de Pomaka. Et c'est un support qui permet d'aller très agressivement, là, surtout en début de partie. Reste à voir avec quel ADC va être mis en duo. Mais ça peut être très efficace. On va prendre très chance support. Un pick assez classique, le crochet qui marche toujours bien. Même s'il vient de perdre son 100% wife steal. Donc pour le dernier choix du côté des cavaliers, on va y aller pour le Cho'Gath. Donc ça reste quand même des choix intéressants. Probablement que on va avoir un Cho'Gath à la top lane et Olaf dans la jungle. Cho'Gath peut marcher en jungle aussi quand même assez bien. C'est à part le smite, son ult est la meilleure façon de sécuriser les objectifs. Tout à fait. C'est même un combo assez redoutable, là, le smite et le ult. Donc ça permet de prendre les objectifs là, bien avant l'autre équipe. Et on termine ce draft avec la hache. Et donc on aura un combo de hache et Leona avec une Cassiopeia à la mid lane, Zac à la jungle et un Renekton à la top lane du côté des Gaillards. Puis, du côté de Champlain, eh bien, on va voir là, avec les changements. Là, on a quelques secondes encore pour savoir si le Cho'Gath sera top ou jungle. C'est ce qu'on va voir. Non, je l'ai vu changer de place. Le Olaf, c'est le jungler. Le top lane, ça va être Cho'Gath. On a décidé d'aller un peu plus conventionnel. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas l'utiliser pour sécuriser quelques petits objectifs. Donc là, si on regarde les compositions des deux équipes, est-ce que ta prédiction ou ton avantage que tu avais placé du côté des Gaillards, est-ce que ça reste le même une fois que le draft est fait? Ben, des deux côtés, on a des personnages qui scalent beaucoup avec la vie. Cho'Gath qui peut devenir monstrueux en fin de partie, simplement, pas seulement type. Ben, en même temps, Zac, c'est pareil. Plus il reçoit de vie, plus il devient gros. Et il devient plus monstrueux, il fait plus mal, ses hitbox sont plus grosses. Cho'Gath, c'est la même chose. Plus il arrive à avoir de stack d'ult, plus il devient gros, plus il devient puissant. Mais ça va vraiment dépendre de si Cho'Gath ou Thresh, qui aussi a des stacks d'armure, sont capables de récupérer des stacks assez rapidement pour garder l'avantage en fin de partie. Oui, et puis de l'autre côté, c'est sûr que Cassiopeia, c'est très 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 fort le plus la partie avance.
On a quand même un bon combo, je crois, des deux côtés. Ça devrait donner une partie assez intéressante, surtout que si on regarde justement là, le niveau de jeu des joueurs de chaque équipe, ça risque d'être une très bonne équipe, une très bonne partie, pardonnez-moi. Devrait être assez divertissant. Il y a quand même un élément de mystère avec Trapper Trick. On ne sait pas c'est quoi son rank. Ça disait platine dans notre document qu'on avait, mais à cause de problèmes techniques, il va utiliser un autre account pour la saison. Donc, on n'a aucune idée c'est quoi son rank. Si on se fie sur papier, le joueur à surveiller, ce serait le midlaner des Gaillards de Jonquière, Dilix, qui est présentement Diamant 4 avec sa Cassiopeia, là, avec 55% de parties remportées et un Kibier, que le nombre de morts et d'assistance face au nombre de morts, il y a 2,5. Donc, c'est quand même un joueur à surveiller. Bon. Mais Cassiopeia, par contre, si elle se fait avoir, il y a Olaf qui arrive, ça va mal parce qu'il a juste activé son Ragnarok et Cassiopeia ne peut plus vraiment rien faire à part essayer de l'empoisonner assez vite. De l'autre côté, par exemple, il y a Ashe aussi. Justement, Olaf, c'est le gros counter de l'équipe adverse en ce moment. S'il fait ses dégâts, il va arriver assez vite. Il va résister au ralentissement de Ashe, au Rook de Cassiopeia, au knock-up de Zach, au stun de Leona. Et Renekton, il y a un stun sur son W, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Ce qui est à surveiller, je crois, du côté des cavaliers, c'est effectivement l'utilisation que Catch de Rainbow va faire de son Olaf. Tu l'as bien mentionné, avec son ult, il est capable de se libérer de tout ce qui est du crowd control, donc tout ce qui est ralentissement, stun, des choses comme ça. Donc, c'est lui qui pourrait chercher là, à être un joueur dominant et aller chercher l'avantage pour son équipe. Il va falloir le surveiller et surtout voir qu'est-ce qu'il va faire avec le début de match. Parce que Catch a Rainbow est présentement Silver 1. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même une bonne différence entre lui et certains autres joueurs. Mais ça se joue sur le Rift. Et le délai vient de terminer. On doit attendre. On est rendu en loading screen et on va voir. Et la partie va bientôt commencer avec du côté bleu, du côté rouge, les Gaillards. Et du côté bleu, les Cavaliers. Car du côté pour les Cavaliers, nous avons Mindless avec Vayne, Trapper Trick avec Cho'Gath, Beskind Leo avec Yasuo, Shaymin avec Thresh, et Catch the Rainbow avec Brolaf. Et du côté des Gaillards de Jonquière, on a Dilix avec Cassiopeia à la midlane, KFC Kool-Aid avec Ashe à la botlane, Soli avec le Zac dans la jungle, Pomaka avec Leona et Lil Swain avec le Renekton à la top lane. Le match qui devrait commencer à l'instant. Ou d'ici quelques secondes, dépendant du délai de chargement. Des fois, ça peut être un peu long. Merci Riot. Bon. Et voilà, donc le match qui commence à l'instant, les petits confettis qui tombent du ciel pour souligner les 10 ans de League of Legends. Et les joueurs achètent leur item et s'en vont tranquillement vers leur position respective. Est-ce qu'on va voir de l'action au niveau 1? Ça reste à voir. On en a vu pas mal au championnat du monde la semaine dernière, des bouts d'action au niveau 1. Et le premier dragon va être un dragon de vent. On essaie d'en profiter. Ben, c'est pas vrai, c'est plus vraiment c'est pas encore un dragon utile. Et on se met tous dans le buisson de la botlane. Est-ce qu'on va essayer d'aller pour un invade? Et c'est ce que je parlais là, de l'action niveau 1. Donc du côté des cavaliers, on s'approche tranquillement. On est encore visiblement non repéré, mais finalement la hache qui fait signe à tous ses coéquipiers que l'autre équipe tentait quelque chose et ils devront retourner un peu bredouille là. Après avoir été aperçu et même légèrement attaqué par Lady. Ah, c'est un beau W, on a réussi à avoir tout le monde. Oui, donc ça applique un ralentissement et là, ça a permis, dans le fond, de ralentir les ardeurs des cavaliers qui voulaient profiter de ce début de match
pour aller chercher un avantage. On les ralentit et on les refroidit. Donc, sans attendre, on commence cette partie. Il n'y a rien de vraiment exceptionnel qui va se passer au niveau 1, finalement. Le plan a avorté. Et on commence déjà à la mid lane avec une Cassiopeia qui devra faire attention, par contre. Le Yasuo qui peut toujours surprendre, c'est un personnage qui... on appelle ça là, un haut niveau de skill. Mais une fois maîtrisé, ce personnage-là peut être très dangereux. C'est plus un bon niveau d'apprentissage au niveau de maîtrise. C'est l'opposé. Il est très facile à jouer directement, mais il est très dur à master. Il est très dur à maîtriser comme il faut. Effectivement, on voit régulièrement des Yasuo qui jouent le champion, mais qui sont pas très bons. Mais d'autres fois, on en voit qui dominent tout à fait cette partie-là. Pendant qu'à la top lane, on voit le Cho'Gath qui attaque un peu le Renekton à distance avec ses pics. Le Renekton qui devrait être capable de s'en sortir sans trop de problèmes en refaisant ses points de vie sans être en danger. Cho'Gath est bon pour le poke. Quelques petits pics, justement. Des pics parfaits pour poke. On l'envoie dans les airs et on l'attaque. Donc, pendant ce temps-là, il n'y a pas trop d'action niveau 1. Les gens se rendent niveau 2 tout bonnement. 3. Et là, Renekton, niveau 3 en premier, il réussit à y aller d'une belle attaque, mais retraite. Probablement là, qu'avec son teleport, il se disait qu'il n'y avait pas trop de chance d'aller chercher le premier kill de cette partie. Donc, a préféré y aller un peu plus prudemment. C'est plus le flash et le teleport qui aurait sauvé Cho'Gath. Oui, tout à fait. En voulant dire que le Renekton n'avait pas pris Ignite, donc il n'y avait pas vraiment de possibilité une fois qu'il avait réussi son combo. Pas trop de possibilités pour pouvoir aller chercher ce kill. Et là, on vient de voler le blue buff de la part de Soli. Mais est-ce que Soli va en payer de son passif? Peut-être, mais la Cassiopeia qui arrive tout juste à temps. Et on va chercher le passif pendant que le Yasuo est un peu dans le trouble. Et là, on va y aller. Le sauver, mais est-ce... Et ça ne sera pas suffisant. Et le téléport de Lil Swain qui finalement se retrouvera à jouer contre lui. Il donne un deuxième kill au cavalier. Donc ce ne fut peut-être pas la meilleure décision de la part de Lil Swain. C'était très altruiste. On voulait vraiment protéger son ami, mais finalement ça se retourne contre lui. Ah, il s'attendait pas à voir le Yasuo directement avec la lame dans son front quand il apparaît. Et là, le Yasuo qui, avec un kill, une assist, qui va pouvoir se sentir un peu plus à l'aise là, à ce stade-ci de la partie. La Cassiopeia qui n'est pas encore à son meilleur. Et le Yasuo va pouvoir chercher à en profiter. En bot lane, ça, on s'est assez d'égalité. On a autant on a du bon, on a du mauvais. C'est l'égalité. On pousse, on poke, on pousse, on poke. On pousse d'un bord, on poke de l'autre. On pousse d'un bord, on poke de l'autre. C'est souvent ça la bot lane en début de partie. Oui, même que c'est quand même assez surprenant, on pourrait croire que Ashe et Leona auraient été peut-être un peu plus dominants là, en début de partie face à une Vayne qui est un peu comme à l'égard de Cassiopeia qui a un peu plus de difficultés en début de match et qui devient monstrueuse plus la partie avance, mais on s'en sort très bien du côté des cavaliers. Bon, on va reculer du côté des cavaliers, on va faire un petit recall, on va aller chercher... De la vie, des items. Pendant ce temps-là, à la top lane, Trap or Trick qui s'impose là, tout bonnement devant l'île Swain. Et donc, un peu d'avance. On va tout de suite chercher un dragon. Ça semble être assez tôt. Ou non, finalement, on fait le retrait. C'est qu'il va peut-être être un peu trop tard. Ah non, Leona, on a essayé de faire le dragon. Ça a été trop tôt. Ouais, on retraite du côté des Gaillards et on voyait que ça prenait un petit peu trop de temps à réussir l'objectif du dragon et on voyait l'autre équipe là, qui convergeait. Autant trop de temps à le commencer, autant trop de temps à le terminer. Et pendant ce temps-là, le Thresh qui attend dans le buisson, un peu caché, est-ce qu'on va tenter une petite surprise du côté de la botlane? Ça reste bien à voir. Et là, le Yasuo qui avait son niveau 6 et qui a décidé de ne pas ulter. C'est sûr que la tour qui était tout près de la Cassiopeia a peut-être calmé les ardeurs du Yasuo.
Là, est-ce que les cavaliers semblent vouloir se décider à peut-être y aller? Un premier, une autre mort. Et c'est un flash ult pour dévorer le crocodile. Et honnêtement, Lil Swain qui n'aime probablement pas son début de partie, le pauvre lui, ça ne se passe pas comme il est en danger. Mais on décide de s'enfuir du côté de Sully. Et pendant que les cavaliers, pardonnez-moi, s'occupent du dragon, on continue d'appliquer de la pression à la mid lane et à la top lane en même temps. Donc pour début de match, domination du côté des cavaliers, un peu sur toute la ligne, sauf à la bot lane. Ce mouvement de speed pourra être efficace pour Yasuo. C'est toujours drôle de voir. Pour Yasuo et pour Olaf, deux personnages qui bénéficient bien du movement speed pour les attaques surprises, parce qu'ils ont, à part le dash de Yasuo, Olaf n'a pas d'option de mobilité, Thresh non plus. C'est bon un peu plus de movement speed. Tout à fait, pendant que Dilix, lui, tente tant bien que mal de conserver sa ligne dans un bon état, et quand même en avance, on va dire égal du côté des CS. Dilix qui s'en sort quand même assez bien, il devra probablement essayer de porter son équipe sur son dos là, si on se fie à ce début de match-là. Kool-Aid semble avoir l'avantage des CS aussi, elle a l'avantage du niveau contre... Elle a l'avantage d'expérience contre Vayne parce qu'elle a eu son niveau presque une minute au complet en avance. Pendant qu'à la bot lane, eh bien, même si on est un peu en retard du côté de Mindless, on vient d'aller chercher une plaque sur la tour, donc un bonus d'argent dans les poches directement. Et on va retourner à la base pour aller s'acheter d'autres items. Et là, on voit déjà la Vayne qui va aller chercher un Vampiric Scepter, qui va avoir un bon sustain, qui va être capable de rester longtemps dans sa ligne en reprenant sa vie. Pas juste un Vampiric Scepter, on prend aussi le Recurve Bow. Je pense qu'on va y aller pour un Blade of the Rune King. Et là, pendant ce temps-là, Lil Swain qui y va très agressif. Et là, par contre, le Shogat qui retourne les coups. Et on va s'en sortir. Les deux junglers qui s'approchent. Je suis pas sûr que le Zac veut vraiment y aller à ce niveau-là. Il va peut-être regretter son choix. Pendant que, à la botlane, le Yasuo qui descend et qui essaie d'aller chercher un kill pour son équipe. Et on va y aller pour un pour un, donc un très beau crochet de la part du Thresh qui permet à Yasuo de Besking Leo d'y aller de son ult. Malheureusement, un peu agressif, on va chercher un kill, mais la tour ne pardonne pas. Et du côté de KFC, on va chercher mon premier kill de la partie pour les Gaillards. Oh, on essaye de prendre l'avantage, les gars. On dirait que Sully veut essayer d'attaquer l'attaque. Est-ce que ça va suffire? Nope. Et là, Sully qui était si près et réussi quand même là en utilisant son flash pour aller chercher le kill. Et là, cette fois-ci, Lil Swain. Et c'est un peu étrange ce qui vient de se passer. Le téléport qui a terminé plus tard que le passif du Zac. Et le Zac, il a utilisé dès qu'il a pu le voir, mais ça a été un peu tard, malheureusement. Ou peut-être que c'est l'objectif pour essayer de flouer l'adversaire. Et pendant ce temps-là, le Dilix qui commence à échanger les coups là, avec le Yasuo, avec son avance de 10 CS, sentir tant bien que mal. Pendant qu'à la botlane, il y a l'écran qui se creuse un petit peu au niveau des CS de la part de la botlane des Gaillards, mais rien de dramatique encore, considérant que Mindless joue 20. Il va toujours pouvoir se rattraper. Ben, on pourrait aller en top lane. Ben, on dirait que les Gaillards semblent essayer justement de reprendre l'avantage. On va peut-être voir une remontée tranquille du côté des Gaillards. Va-t-on voir une victoire, par exemple? Ça va dépendre de comment ils vont jouer le prochain objectif. Qui est le dragon, un autre dragon de vampire qui arrive dans une minute. Si on regarde sur la carte présentement, là, on voit vraiment trois membres des Gaillards près de la bot lane. On laisse un petit peu Lil Swain tout seul dans son île.
Mais bref, il est capable de se débrouiller quand même. Il fait... on va souligner son travail. C'est pas si mauvais, là, sa performance pour un joueur qui ne fait peut-être pas le poids au niveau des ranks, mais il joue une très bonne partie dans les circonstances. Ouais. Et là, il y a Yasuo qui va d'un combo, qui va chercher son ult, Dilix qui manque le stun, mais... Oh, le flash et Dilix qui va aller chercher le kill sur le Yasuo. Et c'est un très beau jeu de la part du midlaner. Pendant qu'il y a plein d'actions à la botlane, le Olaf qui arrive en trombe et qui doit fuir. Et la Leona qui va chercher le kill. Par contre, la tour, et elle réussira à survivre avec quelques points de vie. À peine. Est-ce que tu la voyais, la barre de vie? Je ne la voyais plus. Il n'y avait plus beaucoup de couleurs à cet endroit-là. Et le flash de Lil Swain qui lui permet de rester en vie parce que le Shogat a son ult et même que probablement, et voilà, un flash ult. On a un troisième stack du côté de Shogat, mais on va avoir un dragon du côté des Gaillards. Je sais à souligner par contre le bon travail de Trap or Trick. Il voit qu'il domine sa ligne et est allé se chercher un Dark Seal. Et il voyait là, qu'il était capable de tirer son épingle du jeu. Donc, il est allé chercher un item là, justement qui aide à dominer encore plus. Par exemple, il faut faire attention avec la tour. Oui. Mais si on regarde ça, la tour, il reste seulement une plaque du côté de la top lane. Donc, on peut quand même croire que Trap or Trick va prendre la tour là, très prochainement. Ouais. Ou que les minions qui sont déjà là, peut-être. Ça va quand même assez rapide. C'est quand même assez efficace. Donc, l'écart au niveau des CS qui se creuse un peu à la mid lane, la Cassiopeia avec 125 CS à 13 minutes 15 secondes et le Yasuo avec 97 CS. Donc, quand même un bon écart à ce niveau-là. À la bot lane, c'est tout à fait égal, donc 100 à 98. C'est une partie qui est âprement disputée à la bot lane. Et à la top lane, ben, là, une domination. Du Shogat avec une quarantaine de CS d'avance. Une quarantaine de CS d'avance et 3 stacks. Avec un stack de minion et 2 stacks de champion. Ouais, c'est pas à négliger de la manière que ce champion-là, Shogat, est bâti. Plus on avance dans la partie, plus on fait mal, plus on gagne des stacks. Par contre, il peut les perdre lors d'un décès. Mais il peut plus les perdre. C'est vrai? Ah oui. Ça a été retiré, ouais. Il peut plus les perdre. Tu vois, une chance que t'es une bible parce ouais, que ça fait à peu près un an qu'ils ont retiré ça. Maintenant, il y a un nombre de stacks, ça peut aller à l'infini. Pendant qu'on a de l'action à la botlane, et là, Olaf qui fait un très beau gank, et le hook de Thresh qui va aller permettre à Mindless et Vayne d'aller chercher un double kill. Donc, ça, c'est un peu décourageant là, pour les gaillards parce qu'on avait fait du très bon travail à la botlane, et là, donner un double kill à une veine comme ça, à 14 minutes, c'est sûr que c'est pas l'idéal. Ouais. Mais pour continuer ce que je disais, Chogat maintenant, son ult stack à l'infini, mais tu peux seulement ramasser 6 stacks venant des minions ou des monstres non épiques, et t'arrêtes de grossir après 10 stacks. Ouais, ils ont essayé de pas mettre de limite. Ils ont essayé de pas mettre de limite sur la taille, mais ça a pas été une bonne idée. Non, probablement qu'il y a des YouTubers qui se sont fait du plaisir à tester des choses là-dessus. Ouais. Pendant que la tour à la top lane qui tombe. Et là, par contre, Dilix qui se fait attaquer par la Vayne et le Renekton qui rend l'arme pour une quatrième fois. Donc, ça va pas très bien de son côté. Et là, on a le Zac qui tente de tirer un kill du Shogat, mais malheureusement, là, il ne fait pas le poids. Et le Shogat qui continue là, d'être très agressif. Oh, par exemple, le Zac a pogné le Harold. A récupéré Harold. On peut voir, il y a les marques mauves. Et il va avoir le kill finalement. Et oui, là, Trap or Trick définitivement a été un petit peu trop agressif. Il est resté beaucoup trop longtemps avec les minions qui l'attaquaient. Pourtant, c'était un échange qui avait été emporté haut la main au tout départ, mais qui, à la toute fin, vient donner un kill à Soli qui va chercher son troisième de la partie. Là, Soli doit décider où est-ce qu'il va mettre Harold pour essayer de redonner l'avantage à son équipe. Parce que là, ils ont 2 tours de perdu, bientôt 3. Il faut qu'il place Harold à un bon endroit.
Et depuis le début du match, là, je donnais beaucoup de compliments à Dilix et sa Cassiopée, mais là-dessus, honnêtement, ça a peut-être été un peu très courageux. Donc, il voyait les trois membres de l'équipe adverse et il a continué d'être très en avant et n'a pas joué de défensif. Et finalement, il en aura payé de sa vie. Et la tour qui va manger beaucoup de coups là, suite à on va dire, ce jeu très téméraire. Et la tour, ça fait trois tours de détruite. Renekton qui s'est pris une arbalète, une flèche d'arbalète, pas une arbalète au complet. Donc, si on regarde la carte présentement et qu'on fait un portrait de la situation, tout ce qui est le côté haut de la carte, beaucoup de vision pour les cavaliers. On sait que notre Cho'Gath est en avance, on sait qu'on domine, donc on met beaucoup de ressources à cet endroit-là. Du côté de la botlane, plus de vision du côté des gaillards. On sait que c'est une de nos forces, notre botlane, donc on essaie de mettre nos œufs dans ce panier-là pour pouvoir aller tirer notre épingle du jeu. Donc on a beaucoup de vision qui est installée là et on sait très bien que éventuellement il va y avoir un dragon qui va arriver à cet endroit-là et peut-être qu'on va vouloir aller le chercher. Un dragon des montagnes. Ça, les gaillards veulent pas que les cavaliers ramassent ce dragon-là parce que déjà qu'ils ont beaucoup de tours détruits, ils font déjà beaucoup de dégâts. Là, les tours vont partir. Et comme on parlait de ce dragon-là, les cavaliers qui sont en train de le faire, faut faire attention par contre, là, les gaillards qui s'approchent, la Cassiopée qui est un petit peu dans le trouble, qui se fait prendre par le crochet du Thresh et elle rendra l'âme sous les coups de Mindless qui est présentement 5-0 sur la veine pendant que Catch the Rainbow, lui, va sécuriser ce dragon de terre. Donc, avantage sur toute la ligne pour Champlain. On empêche l'échappatoire de Sully. On lui fait peur. Sully qui est un petit peu dans le trouble, mais l'arrivée de l'île Swain, malgré son retard, est assez pour refroidir les ardeurs de Trapper Trick qui rebrousse chemin. Il veut pas se faire prendre comme il vient de lui arriver. Cette fois-ci, il joue un peu plus prudemment. Cho'Gath s'est débarrassé de son Dark Steel finalement. On a été pour les Twin Shadows. Et un Hextech GLP 800. Et voici l'arrivée de Harold en top lane. Ouais, probablement là, que ce qu'on se dit du côté des gaillards, c'est qu'on n'a pas de place vraiment ultime à déplacer. On n'a plus de place, on n'a plus de temps. C'est ça, donc on le met un endroit pour ne pas le perdre. Est-ce que ça va donner quelque chose? Probablement pas. Pendant que Dilix va chercher le blue buff, qui est quand même très important sur ce personnage, et il va retourner à la mid lane pour prendre quelques dollars de plus dans la banque. Pendant ce temps-là, Harold se fait manger tout de suite. Et là, on envoie la bot lane à la top lane, on fait une petite rotation, on est avec présentement le Renekton aussi, donc on est 3. À la top lane, 4 même avec le jungler Sully qui est là. Donc 4 personnes pendant que Dilix, lui, est au bot et sa mission est de stopper la poussée de Basking Leo et son Yasuo. Et là, est-ce qu'on va avoir le Yasuo qui va y aller agressivement? Probablement pas. Il rebrousse chemin et la Cassiopée qui commence à faire extrêmement mal. On vient de le voir. Le Yasuo n'avait pas d'autre choix que de flash et utiliser la plante pour se rendre en sécurité. Donc, les cavaliers qui continuent de mettre de la pression un peu partout sur la carte. On met de la pression au mid. On va prendre la tour présentement. Et au top, on met encore de la pression. On va même rouler un peu et s'en aller vers le top. Et je crois bien là, qu'on va porter nos yeux vers le baron très bientôt. Ce serait quand même une bonne occasion. On a le contrôle total du haut de la carte. Par contre, si je vais avoir pendant ce temps-là, ça va faire mal. Et surtout que Cassiopeia vient de prendre Riley. Le sceptre de cristal, ce qui va justement, si tu fais prendre par ça, ça peut fermer le puits du baron et prendre dans le piège. C'est la beauté de la chose, c'est que du côté des gaillards, malgré les difficultés, on a une composition qui permet d'avoir des combos très efficaces et des combats d'équipe là, quand les 5 joueurs sont là, quand même assez dévastateurs là, avec les ults de Cassiopée, de Leona et même de Zac. Ça peut faire quelque chose d'intéressant si on réussit à
à prendre les cavaliers là, dans une petite zone et tous en même temps. Mais en ce moment, les cavaliers, ils ont l'avantage des kills. Ils ont 6000 d'avantage. Non, 5000 d'avantage de gold, presque 6000. Non, 6000. Et on va commencer le baron. On dirait que oui, on commence le baril. Et on y va du côté des cavaliers, on commence le baron. Et même que là, présentement, il n'y a pas de réaction de la part des gaillards. C'est dans le noir complètement. Et là, on vient de le voir là, avec la hache. Mais c'est un baron qui est quand même assez facilement pris du côté du Collège de Champlain. Et pendant ce temps-là, le Shogat qui fait encore une fois l'utilisation de son Flash Ult. C'est quelque chose qui est assez fâchant de se faire faire. Ah, mais c'est toujours très satisfaisant de faire, par contre. Ah oui, Flash Ult est un le Shogat. Le Shogat 5-2-0, 163 CS. Il est monstrueux. Et là, le Zach qui y va. Et c'est maintenant ou jamais, peut-être, du côté des gaillards. Et on y va justement pour cette, ce combo-là de 5 contre 5. Mais malheureusement, l'arrivée du Shogat qui va tourner ce combat-là. Et KFC Kool-Aid Kid qui pensait pouvoir s'en sortir. Mais malheureusement, la veine 8-0-1. Qui est très efficace, mais l'arrivée de Dilix qui n'était pas là au début du combat, qui vient chercher le shutdown sur la Vayne et prend 700$ dans ses poches. Vayne aurait peut-être pu prendre l'avantage par contre sur ce combat-là. Elle a juste essayé de s'enfuir quand il n'y avait pas de minion sous la tour. C'est ça qui a causé sa perte. Ouais, ça a été très agressif là, de la part de Mindless, mais en même temps, on peut le comprendre. 8-0-1, 164 CS, il se sentait très, très, très confiant. Puis là, peut-être justement qu'il a payé pour sa confiance un peu. Il y a eu un petit moment de panique. Il aurait pu attendre un tout petit peu pour que les minions se rendent sous la tour ou même que Chogaz se mette. Mais ils ont pas cru avoir le temps. Donc 23 minutes 38 secondes, c'est si on regarde la carte, c'est un avantage certain des cavaliers qui ont une fiche de 4 à 1. On va même aller chercher un autre de dragon. Et là, avec 3 dragons, on commence à rendre très intéressant la prise du Elder Dragon qui arrivera éventuellement, à moins que la partie termine avant, bien évidemment. Ça va pas être l'Elder Dragon. Oh, attends. Non, on va avoir un dragon d'eau en prochain. Le ouais. Deux dragon, c'est à partir de 35 minutes, pas 25 minutes. Oui, oui, effectivement. On va pas s'amener, m'étonnerait qu'on se rende à l'Elder Dragon. Ah, tout peut arriver, honnêtement. Ça peut être très surprenant. On a 6 kills d'avance, 8000 gold d'avance, 6 tours d'avance. Pour l'instant, il joue en défensif, mais... On pourrait commencer à s'activer. On joue en défensif, mais Renekton qui a un seul item déterminé, qui a même pas à la moitié de son deuxième. Les bots comptent pas dans ce que je dis. Et le seul qui a vraiment l'avantage, c'est Dixil. C'est le seul qui a un peu d'avantage au item. Et là, Dilix qui va face au Yasuo et on espère là, réussir à aller chercher ce kill-là. Et c'est fait à l'instant. Et Dilix qui continue honnêtement, on va appeler ça une domination sur Best King Leo. Malheureusement, c'est pas mal la seule place qui est dominée par Jonquière présentement. Mais c'est la lueur d'espoir au bout du tunnel. Ouais. Et on dirait qu'on va y aller pour un Liandry pour comme prochain item pour Dilix, c'est aspirant. C'est qui va être efficace, les brûleurs en place du froid. Et Zach, on y va pour un spirit visage. On complète nos deuxièmes items. Oui, donc si on regarde rapidement du côté de la bot lane, c'est sûr et certain que KFC Kool-Aid n'est pas là où il souhaiterait être quand il regarde de l'autre côté. Quand on compare avec Mindless, et Mindless, honnêtement, ça fait peur là. On a un Rapid Fire Cannon, une Rage Blade et une Blade of the Rune King. C'est un moment de la partie où les veines deviennent extrêmement dangereuses. Et Thresh qui a pris un Iron Solari, l'arme de Leona contre elle.
Et c'est quand même un bon choix. Là. Si on regarde justement du côté des Gaillards, on sait que le dommage vient de la Cassiopée. Donc le Locket d'Aaron Solari peut être très utile pour protéger les membres de son équipe face à la source principale de dommages de l'équipe adverse. Et pendant ce temps-là, on continue de mettre de la pression au bot avec Besking Leo. Par contre, il ne faudrait pas faire la même erreur là, à répétition là, d'envoyer Besking Leo seul contre Dilix. On voit ce que ça a donné et ça n'a pas porté fruit pour les cavaliers. Par exemple, Besking Leo n'est pas seul. Il y a Trapper Trick qui est avec lui en ce moment. Et là, est-ce qu'on vient d'aller chercher l'occasion de commencer un combat? Mais non, on repart. Et on attend l'arrivée des minions. On repart pour attaquer la tour. Et le Shogat qui continue par contre de poker. Et là, on y va Soli qui commence le combat. Le Hul de Hache, le Renekton qui y va et enchaîne les stuns. Combat. Et regardez Dilix qui fait énormément de dommages dans ce triple kill, comme je le mentionnais. Donc Dilix qui fait son travail, et le Shogat qui ne devrait peut-être pas y aller. Là. C'est dangereux avec Dilix qui est à 100% de sa vie. Le Yasuo qui va dans la backline, qui vient mettre fin à KFC, pendant que Dilix essaye de s'en sortir, mais le Yasuo qui réussit à gagner cette fois-ci son 1 contre 1. Et on a un ace! Mais au final, Soli, qui lui est passé un peu inaperçu pendant tout ce combat-là avec le Zac, mais qui faisait du très bon travail. Et effectivement, on y va pour le Ace. Je pense que personne l'a vu venir ce fight. Ce fight-là, personne l'a vu. Personne l'a vu Soli, même s'il est rouge sur fond vert. Ouais, et Soli, il faut le féliciter pour ce combat-là. Là. Il est resté en vie, il a occupé. Pas mal là, les carries de l'autre équipe. Et chose aussi à souligner, je sais pas si tu as remarqué, mais Mindless dans ce combat-là n'a pas fait long feu. Là. On a réussi à le cibler assez rapidement. Hein, il a quand même réussi à avoir un kill. Oui. Pendant qu'on enlève un peu de visée. On va avoir une bataille du côté du Baron, on dirait bientôt. Oui, on a vu là, du côté des cavaliers, on avait un peu de difficulté à aller chercher les tours des inhibes. Mais avec un baron, là, ça devrait faciliter. Shaymin est en danger. Ah non, il a réussi à partir. Donc attention, là, on attend un peu dans l'ombre. Mais on décide de reculer de la part de Jonquière. On va attendre notre moment. Pendant que le dragon et le baron sont sur la carte. Donc deux objectifs à prendre. Et les cavaliers qui se dirigent vers le dragon. Prendre en quelques instants. Pendant ce temps-là, on devrait en profiter du côté des gaillards pour aller placer un peu plus de vision auprès du baron. Et je crois que c'est ce qu'on est en train de faire. Par exemple, on dirait qu'on va aller tout de suite pour le baron aussi de l'autre côté. On fait un petit wave clear. Les cavaliers qui se dirigent, mais les gaillards qui les attendaient. Et là, Soli qui va sur le Yasuo. Le force à utiliser son Windwall. Ça peut être très bien. Et là, Olaf qui utilise son ult pour s'évader. Mais attention, gros combat. Le Yasuo qui se fait détruire à la backline. Et là, on est à 3 contre 2. Le Shogat qui est gigantesque, qui ne prend presque pas de dommages. Et le Thresh qui réussit tant bien que mal à aller tuer Dilix avec son hook. Il est en danger. Et le Thresh de Shaymin. Le Thresh de Shaymin. Quel combat! Et deux hooks très, très, très importants. Et même un troisième, un après l'autre. Vraiment, très bon jeu de la part de Shaymin. La question, d'après toi, Shogat va aller pour un Liandry ou pour un Riley? Et on vient de voir, j'ai pas eu le temps de faire mon choix, mais on vient de voir que lui, il vient de compléter son Void Staff de la part du Shogat. M'attendais plus à un Liandry ou un Riley. Mais honnêtement, je veux rementionner une autre fois Shaymin sur le Thresh. Et chose à quand même à parler, Shaymin qui a 69% de parties gagnées sur son Thresh et il a un Kidier de 3.41. Quand même assez élevé hein, comme Kidié sur un support de la nature de Thresh. Quel pourcentage avec toi déjà? 69. Nice. Ok, blague à part.
Et là, Shaymin qui rate son crochet pendant que son équipe va chercher le baron avec le Shogat qui le dévore avec son R. Et regardez là, la taille du Shogat. Avec 7 stacks, on a... Il pourrait manger des minions s'il veut. Il pourrait. Ça lui donnerait des stacks gratuits en ce moment. Parce qu'il peut en avoir 5 autres gratuitement. Et là, Soli qui y va. Probablement qu'on sent le désespoir un peu du côté des gaillards. Pendant que le Olaf qui utilise son ult pour se libérer, ça donnera pas grand chose. Mais on va quand même continuer d'appliquer de la pression au mid. On a un peu l'impression d'être en Aram depuis quelques minutes. Par contre, honnêtement, là, les deux équipes qui sont très 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 souvent à la mid lane. Des combats chaotiques dans la mid lane, tout est serré. Par exemple, on va changer cette stratégie-là, on va aller en top lane, on va pousser un petit peu, Yasuo qui va faire un petit nettoyage. Donc, on regarde encore une fois là, un petit portrait pendant que l'action se calme pendant quelques instants. Le Olaf, par contre, on reprend Soli qui y va, et Soli qui malheureusement fond très rapidement pendant que le Shogat, lui, continue d'être dominant et gros, mindless, toujours en vie, double kill. On y va probablement pour le triple kill. Soli qui réussit à sauver tant bien que mal, mais malheureusement, il ne pourra probablement pas être d'une très grande utilité pour la défense de sa base. Et avec 25 secondes sur les temps avant que les gens reviennent en vie du côté des gaillards, probablement qu'on va assister à la fin de la partie. Est-ce qu'on peut parler du crochet que je... Est-ce qu'on peut parler du crochet de Shaymin? Ben, on va en parler après la partie parce que ça a l'air... Ça va finir bientôt. On va en parler dès qu'on peut, dès la fin. Et effectivement, là, la fin. 33 minutes 14 secondes, le Nexus qui tombe sous les coups des cavaliers du Collège de Champlain. Vraiment, une grosse partie de leur part. Ce fut une partie, ma foi, très relevée en action. 28 à 20. Pour ce qui est des morts, c'est quand même, en 33 minutes, c'est quand même une partie qui a été pleine d'action. Et là, si on regarde les statistiques là, de fin de match rapidement, et c'est quand même un peu surprenant sur papier. Mais lorsqu'on regarde comment la partie s'est déroulée, ça ne l'est pas vraiment, mais le Shogat qui a été celui qui a fait le plus de dommages de toute la partie. C'est quand même une statistique légèrement surprenante sur papier. Ouais. Pardon, donc, j'ai mal entendu, j'ai eu des problèmes techniques à la déconnexion. Aucun problème. Est-ce que tu as des étoiles du match rapidement comme ça qui te viennent à l'idée? Je dirais que pour les cavaliers, Shaymin. Premièrement, ça a été un support très... Il a été très utile, il y a eu des très beaux grabs, il y a eu des beaux kills aussi. Mais ce qui m'a surpris le plus, c'est dans la fin de la partie, le dernier, le crochet où il attrape le raptor, il se tire vers lui, et il élimine l'adversaire, et il amène l'adversaire... je me rappelle plus c'était qui, mais tu sais de quel moment je parle. Ouais, ouais, tout à fait, à la fin. Le crochet du raptor. Je sais pas pourquoi, mais c'était magnifique d'une certaine façon. C'était poétique. Il pensait même... avoir raté. Il dit, bon, je vais faire avec. Et on y va. Même le jeu, sur le jeu précédent, justement, là, trois crochets en ligne qui sont des crochets très importants pour sauver les membres de son équipe et aller chercher des morts supplémentaires. Honnêtement, je partage ton opinion là-dessus, Shaymin. Puis c'est quand même assez rare qu'on donne le crédit au support. Donc, Shaymin, très grosse partie. On va donner quand même du crédit là, à Mindless qui c'est un duo. Il a très bien fait sur la veine. 11 kills. On peut pas lui enlever ouais, ça. Il y en a comme. Mais je pense que le MVP, ça va être Trevor Drake qui a dominé sa lane. Qui a fait du steak de crocodile, qui l'a mangé, il en a mangé encore, et encore. Et il est devenu le Shogat géant qui détruisait tout sur son passage. Du côté des gaillards, faut même malgré là, petites erreurs et des fois là, des jeux un peu douteux, faut quand même souligner le travail de Dilix et de Soli aussi, qui ont quand même porté leur équipe à bout de bras là, pendant une bonne partie de la joute.
Ouais, ils ont défendu leur équipe, ils ont défendu le fort, malheureusement. Des fois, ça suffit pas, mais l'objectif, c'est dans ce cas-là, c'est de tester, défendre, de survivre le plus longtemps possible. Mais finalement, Shamin et Jeff Wardrick, tu pouvais pas y échapper. Donc, ce que ça donne au classement, ça donne les Gaillards de Jonquière qui tombent avec une fiche de 4-1. Donc, ils viennent de rendre les armes pour la première fois de la saison. Et du côté des Cavaliers, on tombe à une fiche de 5-1. Donc, ça nous met à égalité avec les Atlas. Par contre, l'Atlas avait battu les Cavaliers. Donc, l'Atlas est quand même encore une fois au premier rang pour leur victoire qu'ils avaient eue face aux Cavaliers. Et il reste à voir le reste des parties de ce soir. Mais c'est quand même deux équipes qui sont en haut du classement et qui devraient lui rester à cet endroit-là jusqu'aux séries éliminatoires. En tout cas, ça va être à ton tour cette fois-ci. Le mot de la fin, Gil. Parfait. Donc, merci d'avoir été là, mais ne quittez surtout pas. Il reste encore deux excellentes parties de League of Legends qui s'en viennent. C'est des parties qui vont être plus enlevantes les unes que les autres. Donc, à 20h, on aura le duo Pixel et Kiskawan. Et ils seront de retour à 21h avec vous pour la dernière partie de la soirée. Merci d'avoir été là et à la prochaine. À la prochaine.
Bonsoir, chers téléspectateurs de la LCE, bienvenue et je vous souhaite une bonne soirée pour la partie de 20h qui commence dès maintenant. Vous êtes en présence de Pixel, accompagné par Kiskawan. Salut Kiskawan, comment ça va bien? Ça va très bien toi, mon cher Pixel, ce soir. Ah, en tout cas, ça va mieux que ma syntaxe. Donc, on est parti ce soir pour vous caster un match de la Division A, donc qui va s'affronter. Qui s'affronte à ce soir, Kiskawan? Tu parles de la division A, on est dans le groupe 1 aussi également. On va pouvoir caster les Lynx de quel cégep, mon cher Pixel? Donc, dans le fond, ça va être les Lynx du cégep Édouard Montpetit contre Sherbrooke. Donc, très bien dit. Du côté bleu, sinon hein, vous devriez retrouver Édouard Montpetit. Et puis du côté rouge, Sherbrooke. Donc, ouais. Est-ce que tu peux nous faire peut-être un petit review sur les matchs joués et gagnés? Pour chaque équipe. Tu fais très bien de le dire, ça va être quand même un match assez important ce soir. Sherbrooke qui a 4 matchs joués actuellement et 4 victoires, donc pour l'instant ils sont invaincus. Ils montrent toute leur puissance et qui c'est le patron peut-être dans cette saison. Alors que l'autre cégep, les Lynx, ont donc 6 matchs joués, 4 victoires et 2 défaites. Donc c'est quand même une équipe quand même qui a beaucoup de potentiel. Ça va être très intéressant à voir. Puis, effectivement, je ne sais pas comment on peut voir ça. T'sais. On a quand même 2 défaites du côté des Lynx, mais on a autant gagné, donc 6 joués de plus. Donc là, ça va être vraiment le futur qui va décider si Sherbrooke s'enligne vers un futur pas mal égal sur les Lynx, donc vers peut-être une défaite ce soir pour que les Lynx prennent le devant. Sinon, on continue comme ça pour une série de victoires pour Sherbrooke. En tout cas, on leur souhaite le meilleur. Donc, ça devrait commencer quand même bientôt. Chaque joueur sont prêts. On attend juste le go de l'officiel pour commencer. En tout cas, j'espère que pour vous, le premier match était assez intéressant pour vous. Puis on vous souhaite en tout cas un match encore plus intéressant pour le match de 20h qui commence très bientôt. Ouais, donc, j'espère avoir quand même un bon niveau de jeu en Division 1. On attend toujours un peu plus de mécanique et puis une meilleure communication d'équipe peut-être. Pas trop ce que tu en penses de ça, mais je pense que quand on arrive en Division 1, on va dire que les mécaniques sont rodées, c'est plus la communication, les jeux d'équipe qui fait vraiment la différence entre les équipes. Oui, non, effectivement, c'est sûr que League of Legends, c'est un jeu d'équipe, on se le cachera pas. C'est pas un jeu qu'on va pouvoir gagner de façon individuelle. C'est sûr que si on y est bon, ça va aider. Par contre, malheureusement, il va falloir avoir beaucoup de communication. Tout le monde le sait, ça joue sur les calls. On veut avoir quelqu'un qui va pouvoir nous diriger vers la bonne direction. Quelqu'un veut déplacer notre équipe au complet. On ne peut pas dire qu'il y a 3 personnes qui vont communiquer. On ne doit pas aller à des places différentes. Il faut que les 5 joueurs aillent faire ce jeu et puis que tout le monde suive pour pouvoir réussir à avancer dans la partie et éventuellement prendre les objectifs qui nous méritent. Ouais, justement, j'avais parlé justement des objectifs. Là, on a vu sur le
Et ça fait quand même quelques semaines qu'on commente maintenant les games, puis on voit vraiment l'importance des objectifs, que ce soit en division C, en B ou en A. Ça a quand même bien fait de souligner l'importance des objectifs dans ce jeu. Effectivement, je vois un peu la confusion dans le chat. Oui, effectivement, il y a eu un changement d'horaire, donc malheureusement, Titanium, pas vous dire, je ne suis pas au courant trop de la raison du pourquoi, mais ce soir, c'est bien et bien Cégep Édouard Montpetit contre Sherbrooke qui va être casté. Nous sommes désolés pour le petit inconvénient, et puis c'est peut-être même pas de notre faute, peut-être que c'est un problème d'école aussi, ça reste à voir. Donc là, pour l'instant, on est parti déjà, on a les 4 premiers bandes qui ont été placés, on a Morgana, quelque chose de très classique, on se cachera pas depuis l'année passée, on n'arrête pas de dire que Morgana est assez classique, parce que c'est le cas d'une cage qui est assez tannant, qui va nous empêcher de bouger assez longtemps, beaucoup de contrôle. Bon, on répète encore les mêmes choses depuis l'année passée, on va skip assez vite, Renekton, très fort à la top lane, sinon un Panthéon, qui est un des bandes principales en ce moment. On s'entend qu'un Panthéon, ça fait extrêmement mal. Ça attaque à distance et tout. On veut pas avoir ça dans notre lane. Surtout avec son roam, on peut se déplacer facilement dans les autres lanes. Puis Syndra, quelqu'un qui fait beaucoup de dégâts. Très grosse source de dégâts, Syndra, pour la mid lane. Donc c'est aussi un ban assez commun, mon cher Pixel. Alors que Zac est quand même un peu moins commun comme ban. Qu'est-ce que t'en penses de ça? C'est vrai que Zac, chose, un pick qui a été déjà pris par Sherbrooke éventuellement. C'est sûr que Zac, moi, c'est pas un champion que je personnellement j'aime bannir. C'est pas un champion qui me dérange énormément. C'est sûr que ça peut, je veux dire, ça saute de loin, ça peut engage assez facilement. On peut pas s'attendre vraiment à ce qui arrive, mais à quel point, bon, ça peut faire une différence dans la partie. Pour l'instant, en tout cas, moi, c'est pas un élément principal. Peut-être vraiment c'est un champion qui a été joué énormément pour Sherbrooke. Et puis ça a été counter-ban. Maintenant il y a Galio qui a été banni. Quelque chose très tanky. Ouais, en tanky on peut jouer majoritairement des lanes. C'est quand même très fort en teamfight aussi, faut le souligner. Et c'est même bel engage. Son nœud, quand on est capable de recouper la majorité des 5 joueurs de l'autre équipe, lutter dans le tas, ça peut faire quand même très mal sur une bonne cohésion d'équipe. Donc, tu sais comment on appelle ça en France? On appelle ça un jambon fromage, mon cher Pixel. Un jambon fromage. Quand c'est un combo qui fait mal, on appelle ça un jambon fromage. Et puis, on va peut-être en voir un justement avec le premier pic de Yasuo qui peut faire très mal. Effectivement. Donc, on ne s'attendra pas trop sur les aliments. Donc, la première salade qui a été prise du côté d'Edouard, mon petit, Yasuo. Un champion qui est quand même très très fort. On sait que c'est un champion qui va toujours être pris malgré tous les champions qui sortent de nouveau. Jarvan 4 du côté de Sherbrooke. Et voilà qu'on va pouvoir aller ulter, aller faire un peu de contrôle, garder à distance les membres de l'équipe. Pendant ce temps-là, c'est Joanie à la jungle du côté d'Edouard Petit. Et on va avoir Xayah qui va probablement être à des carries. Donc probablement peut-être un swap avec Jarvan 4. Ça reste à voir parce qu'on voit vraiment le smite du côté de Crypt Own. C'est sûr qu'il va être carry AD, mon cher Pixel. Et contre une Vayne, donc ça peut être une botlane très intéressante à voir. Une Orianna mid, moi j'aime ça. Ça peut vraiment faire des très bons combos. Orianna très fort, c'est peut-être un peu la raison qu'on a pas. Tantôt on disait qu'on est capable de regrouper avec Galio. Peut-être qu'on a l'habitude de jouer Galio avec Orianna. Et puis aller vraiment faire un gros boom d'équipe. On peut dire un jambon fromage, moi ça me va. Un jambon fromage, c'est vrai, oui. Faut apprendre, gang. Un jambon fromage. Et puis on a Vayne qui a été pris par Edouard Montpetit. Oui, et le premier ban de Sherbrooke qui a été le Pyke. Un Pyke quand même, un support quand même très agressif qui peut faire la différence sur la bot lane. Donc c'est assez intéressant à voir. Effectivement. Donc on va attendre, là, il y a beaucoup de pression. Les bans qui recommençaient avec un Horn. Et puis Gnar Pyke. Donc Horn et Gnar. De champion assez tanky. On essaie d'aller vraiment de la front lane. Ok. Le Horn, ouais, qui peut être un sacré sac à PV, comme j'appelle ça. Puis aussi un très bon engage avec son ult. Donc ça peut être très intéressant à observer. Ça peut être une phase de lane quand même assez intéressante. J'attends vraiment de voir qu'est-ce que la Vayne va faire. En plus, on a ban le Sion du côté de dans mon petit. Effectivement, on veut pas voir de Pyke du côté de Sherbrooke. On veut pas donner encore plus
davantage de gold et d'expérience là, à Xayah grâce à son support qui prend les kills également. Et Lugnar aussi qui peut être redoutable sur la top lane, qui n'avait pas encore été prise justement par Edouard Monpetit. Donc peut-être que c'est un pick aussi qu'ils ont étudié, peut-être qu'ils ont vu quelqu'un de très fort dessus. Donc ils ont dit non, tu joueras pas ton Lugnar ce soir. Montre-nous d'autres skills que t'as. Peut-être que le Thresh va être pris, ça va être un bon duo avec Vayne. Ça peut vraiment faire un très bon combo, ça peut être très rapide. Et c'est le Thresh qui va être pris, mon cher Pixel. J'attends vraiment un bon combo de cette lane. Ça va pouvoir permettre probablement à la Vayne de se rendre vraiment plus en fin de partie pour utiliser son Power Spike. On rappelle un Power Spike, dans le fond, c'est là où est-ce qu'elle va être le plus fort. Donc on sait que Vayne en début de partie, ça peut avoir un petit peu plus de difficultés peut-être la Xayah. Mais en fin de partie, si on est capable de le supporter là, bien comme un pot par Thresh, ça peut faire quelque chose de très très fort en fin de partie, puis aller jouer là, et faire beaucoup de dégâts. Là. Et ce qui est intéressant aussi avec Vayne Thresh, c'est que Vayne a quand même une range très 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 courte. Donc ça permet un peu de pallier cette différence de range avec Xayah en face. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce pick de Thresh. Et les drafts ont été finis du côté de Dans Mon Petit par la mort de Kaiser. Et du côté de Sherbrooke, de la Janna en support. Donc, une bot lane du côté de Sherbrooke que j'aime beaucoup aussi. Une Janna que je ne voyais pas souvent jouer dans ces LCE. Donc, ça peut être intéressant à voir. Moi, Janna, c'est un support que j'apprécie beaucoup. Quelque chose qui, quand même, peut être assez agressif, permettre beaucoup de moves. En même temps, on peut protéger facilement là, nos coéquipiers, autant en leur donnant un peu de movement speed, un petit bouclier. Ça peut être le fun. On peut empêcher là, vraiment beaucoup d'engage grâce à sa tornade. Il va falloir en profiter énormément, mais ça peut faire quelque chose de très fort. C'est sûr qu'il va falloir faire attention là, avec le Thresh pour pas se faire accrocher par le crochet. En effet. Puis moi, ce qui m'intéresse aussi quand je vois ces bot lanes, ces comps, excusez-moi, c'est la Sejuani qui a quand même une très forte capacité sur les contrôles dans cette partie aussi. Donc, ça peut être intéressant à voir. Donc, mon cher Pixel, pour commencer à présenter ces deux équipes. Donc, du côté bleu, on va avoir l'équipe de Edouard Monpetit et Lynx. Donc, on va retrouver la top lane Mordekaiser qui va jouer par I Am A Rocket. Le jungler qui va jouer, que va jouer Krimbling, ça va être Sejuani. Le carry AD, c'est Vayne joué par Dark Matt. Le support, Thresh joué par Boschetti. Et le midlaner, Yasuo joué par Vexerx. Ah, c'est une belle petite équipe. Une belle petite équipe. Mais la belle petite équipe va quand même jouer contre une autre belle petite équipe. Et l'autre belle petite équipe, chers téléspectateurs, c'est qui? C'est Sherbrooke. Sherbrooke, les autres, qu'est-ce qu'ils vont jouer? On va pouvoir voir un Aatrox joué par Fauchemort directement à la top lane. On va voir un Jarvan 4 joué par Shipone à la jungle. Donc, quelque chose qui, je vois, beaucoup roamé. C'est Crypt Own, mon cher Pixel. Oh, Crypt Own! Ben ouais. Et, un gros désolé, une petite erreur ici. Orianna, qui va être jouée par Siro, S-E-A-R-O, jouera Orianna à la mid lane. On a Xayah, qui va être jouée par Néon, comme Adekari et Janna, qui va le supporter directement, jouée par Lara. Donc, deux belles petites équipes, deux équipes qui vont être quand même assez fortes. Je vois probablement en lane phase... un petit peu plus fort du côté de Sherbrooke, peut-être. Ouais, un peu plus, peut-être early game, t'as raison. On va du côté de Edouard Monpetit, on va peut-être compter sur un Yasuo et puis une Vayne en fin de partie. Et puis sur les capacités de Mordekaiser et de Sejuani de faire durer les parties aussi. Donc oui, peut-être un petit avantage dans un début de partie pour Sherbrooke. Mais dans la LCE, comme dans les LCS, comme dans les Worlds, on a vu récemment, tout est possible. Il peut y avoir des surprises de chaque côté. Donc, j'espère que le chat est chaud bouillant comme nous pour assister à cette game. J'espère avoir du beau jeu. Encore 50 secondes à attendre. Vous savez que Riot laisse toujours un petit décalage de 3 minutes entre la game et puis le stream. Tout à fait. Tantôt, tu parlais de surprise, là, peu importe dans laquelle ligue on va jouer. C'est vraiment, c'est pas seulement les champions qui vont faire une différence. On en parlait au début de partie. C'est vraiment la cohésion d'équipe, la communication. On veut vraiment voir les joueurs jouer ensemble. On veut pas les voir. Tu sais, une Vayne, on sait que c'est fort en fin de partie. Mais si son équipe n'est pas là, ça pourra pas un V5. L'autre équipe, surtout qu'on voit un truc, ça fait comme ça.
on peut pas voir une Vayne gagner tout seul. Donc, il va falloir que l'équipe soit là. Il va avoir quelque chose comme une Sejuani qui engage, qui soit prêt, qui empêche la Vayne de manger le dégât qu'elle ne veut pas. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut voir, un beau travail d'équipe. Bah, comme on disait en début de partie, en division A, plus que les autres divisions, les mécaniques sont un peu plus rodées. Maintenant, c'est les communications d'équipe qui vont rentrer en jeu. Il faut quand même rappeler que les deux équipes ont le même nombre de points, mais Sherbrooke a joué deux matchs de plus. Donc, il faut vraiment que dans mon petit... ou c'est l'inverse. Moi, c'est Sherbrooke qui a deux games de moins, excusez-moi. Donc, il faut vraiment... profiter de ça et puis pour pouvoir monter dans le classement. Et ça passe par une bonne communication d'équipe au-delà des mécaniques, parce que les mécaniques entre les deux équipes, il n'y a pas une grosse différence. Donc tout va être question de communication, de vision et puis de prise d'objectif. Donc peut-être une prise d'initiative d'une des deux équipes va peut-être permettre de donner une avance. Maintenant, tout reste possible, comme je dis à chaque game. C'est le beau jeu qui fait le reste. Et tout à fait. Donc là, la partie qui va commencer très bientôt. On est parti. Chaque joueur va se spawner dans leur fontaine. Et puis, on va voir comment ils vont se diriger. Et puis, s'ils vont y aller agressif, là, la dernière game, là, la semaine passée que nous, on a cassé, si vous étiez là, c'était quelque chose qui a été joué, mais très agressif. Est-ce que ça va être la même chose? On va plus jouer chacun de notre côté. Donc là, on voit vraiment l'équipe de Cégep, dont mon petit, qui se dirige les 5 tous ensemble. Donc probablement une engage qu'on veut essayer d'aller placer. On se dirige directement vers la zone des rouges. Mais on a vu le Jarvan qui a placé son épée pour lui dire « Hey, je suis là, faites attention, nous savons que vous êtes là. » Donc est-ce qu'on va continuer? On s'en va warder le rouge de Sherbrooke. On veut vraiment avoir la vision directement en début de partie. Comme ça, on va savoir les mouvements du jungle adverse. Mais aucune invade de chaque côté. Donc effectivement, là, on joue safe quand même. Il y a Sherbrooke qui s'est bien placé un petit peu partout. C'est sûr qu'on ne va pas chercher d'engage comme ça. Mais ça nous a permis quand même de sauver un gros teamfight que, bon, peut-être qu'on aurait pu perdre. Peut-être qu'on avait peur de perdre en début de partie. Mais comme ça, on est sûr qu'on commence 0-0. Bon, en tout cas, ouais, la game qui est posée tranquillement, ça ping un peu partout. Côté blue side, il pense qu'il va faire le raid alors que ben non, il est parti sur son bleu du côté des côtés rouges. Ouais, tout à fait. Donc les deux vont commencer en bas de lane. Et puis comme ça va empêcher là qu'un jungle ou l'autre aille engage. C'est sûr que c'est pas nécessairement peut-être ce qu'on aurait eu envie de faire. Donc là, pour l'instant, on va aller chercher le maximum de farm qu'on peut faire. On connaît tous ce début de partie avec beaucoup de pression, parce que c'est vraiment une bataille d'ego là, d'une équipe à l'autre pour savoir qui va aller chercher le plus de CS possible. Et ce qui est intéressant, c'est que on est toujours à la recherche du level 2 avant l'autre pour justement mettre plus de pression, essayer de choper un kill dès début de partie sur une lane. Mais pour l'instant, ça a l'air d'être plutôt posé. Donc peut-être qu'ils me font mentir. Il joue la sécurité alors qu'une pause a été lancée, mon cher Pixel. Peut-être un petit problème. Voilà, il y a un joueur qui s'est déconnecté de la game. Ouais, c'est Sierra. Au mid. Donc, probablement, c'est là le problème. Donc là, ça va être à voir. Bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va se reconnecter? Quelle est la cause de ce lag? Peut-être une perte de courant. On sait que dernièrement, Québec, ce n'était pas fort. Peut-être que c'est le même aussi à Sherbrooke ou au Cégep et Dormont-Petit. Je sais pas c'est où, Cégep et Dormont-Petit. On n'a aucune idée. Tu demandes ça à un Français, mon cher Pixel, c'est quand même compliqué. On aurait peut-être notre source qui nous dirait peut-être Laval, si du monde le savent, mais peut-être qu'on n'a pas une électricité meilleure que la nôtre à Québec. Peut-être que le chat. Peut-être que à le Chambly chat. Chambly directement, ouais, d'accord. Okay. Donc, Chambly. Donc, peut-être qu'il y a des petits problèmes de courant, en effet. Mais j'espère que ça ne va pas. Empêcher le beau jeu. Effectivement. Sinon, que dire? Est-ce que tu as suivi un petit peu les Worlds, mon cher Pixel? Je dois t'avouer, franchement, que je n'ai pas suivi les pas Worlds. Suivi les vraiment Worlds. Les finales. Moi, je suis un grand fan de finales. C'est sûr que je ne marquerai pas ça pour rien. Ah, la game est repartie. Mais pour l'instant, j'ai pas écouté. La game est repartie. Puis, pour l'instant, comme d'habitude, c'est tranquille.
Où là, il y a le premier flash. Le premier flash agressif de Thresh, oui, qui a mis la pression. C'est peut-être que Jonah va tomber. Oh non, très bon flash défensif. Il y avait l'aide de Sejuani en plus qui avait bien suivi. Mais ça n'a pas suffi du côté des doigts, mon petit, pour faire le premier kill. Donc, les deux flashs de chacun des supports ont été utilisés. Et on voit vraiment un gank très, très début de partie pour Sejuani. Donc peut-être ça va nous permettre de prendre une petite avance. À voir, il y a quand même beaucoup de vie qui a été perdue. Ouais, mais avec ce gank, il s'est mis un petit peu en retard quand même comparé à Jarvan qui a fait son premier back. Donc c'était à double tranchant. C'est sûr que le premier back de Jarvan va lui avoir permis peut-être de continuer sa course plus rapidement, malgré que Sejuani n'a pas nécessairement besoin de ce retour-là. Oh, attention, pour faire le reste de sa hot jungle. La veine qui a mis le life, qui aurait pu perdre la vie si ça avait été enchaîné. Alors que Midlane est en train de s'affronter, mon cher Pixel. Hein? Donc là, tout le monde est sûr, directement Orianna. Orianna qui va tomber avec le premier kill pris par Yasuo. Et Jarvan qui n'abandonnera pas. On essaie de mettre la pression le maximum possible à la midlane, mais ça ne sera pas assez. Il y a eu un très bon gank. Ça a été très bien exécuté. Et puis voilà, c'est le premier kill qui a été pris. Beaucoup de pression sur les lanes. Et pour l'instant, ça a l'air de payer tout doucement pour Edouard Monpetit. Ça va pousser la première téléportation pour Orianna, dans le fond. Fait qu'on n'aura plus de téléportation pour Orianna. Il va falloir jouer quand même assez sécuritairement pour un petit moment. Ouais, mais tu sais, en termes de farm, elle n'avait pas un gros retard. Donc oui, ça, c'est sûr qu'il va falloir qu'elle soit plus prudente. Mais on va quand même compter sur Jarvan avec sa mobilité et puis son gank au level 6. Il y a Jarvan 4 là, qui se prépare pour la top lane. Mais Mordekaiser qui est quand même très près de sa tour, ça ne permettra pas d'aller jouer sur leur terrain. En effet, puis beaucoup de ping. Là, on peut voir sur la minimap du side rouge, il demande un peu où est-ce que peut être Sejuani. Pour l'instant, il y a la vision et elle est quand même présente en début de partie. On ne va pas commencer à invade les jungles adverses pour voir un peu, pour essayer d'anticiper les mouvements. Mais ils sont en questionnement. Peut-être qu'ils craignent un peu la Sejuani par ses contrôles. Ah oui, là, dans le fond, pour l'instant, là, on est vraiment. Ça va être un combat quand même assez dur à la top lane. Deux personnages là, qui peuvent être très, très lourds sur leur appui, mais qui peuvent faire quand même beaucoup de dégâts. Peut-être un petit peu plus rapide là, niveau, du côté d'Aatrox. Ça reste à voir. Mais surtout qu'on va voir les ults, là, ça va être quelque chose de très, très, très fort. On a Jarvan qui est dans le bush, prêt à attaquer. On sort de son bush. Oh, c'est parti. On sort directement sur Mordekaiser. Le flash qui a été placé sur Mordekaiser pour pouvoir sortir du fight et survivre. Donc là, vraiment, on pousse les flashs là, dans chacune des lignes pour peut-être aller placer un deuxième kill éventuellement dans une lane. Peut-être, oui. Et puis Jarvan avait quand même planté sa tente depuis un petit moment. Un peu d'XP perdu, mais ça aurait pu profiter. Mais là, pour l'instant, comme tu l'as bien dit, Mordekaiser, on n'a plus de flash. Donc peut-être que c'est partie remise pour Jarvan. Peut-être qu'il va inciter sur cette bot lane. On veut pas un Mordekaiser qui est feed ou qui prend trop l'avance sur sa top lane. Effectivement, là, un gang dans une lane où on enlève un flash, c'est pas un gang perdu. C'est juste partie remise, comme tu dis. Là. Oui, donc on attendait Sharbrook en début de partie. Pour l'instant, c'est Edouard Monpetit qui met la pression. Encore un nouveau flash claqué par Zaya sur une très bonne tentative de grab de Thresh. C'est là qu'on vient de voir la force de désengage de Janna avec sa tornade. Là, directement sur Sejuani. Sejuani qui a essayé de dash là, directement. Sur l'équipe de Sherbrooke, mais la tornade qui a complètement envoyé dans les airs, rien pu faire. Ouais, puis qui a cassé l'envie de. Oh, Jarvan qui va essayer de tuer, c'est Sejuani, le flash passe par Sejuani qui ne permettra pas à Jarvan de le tuer, mais quand même très très low en vie, grande chance pour Sejuani d'avoir eu son flash. Donc là, on a comme. Jarvan, il met de la pression. Là. Ouais, il commence à se réveiller, entre guillemets, même s'il n'était jamais endormi, mais. Il sent qu'il faut qu'il mette la pression parce que Sejuani a déjà un assist. Puis lui, actuellement, même s'il est devant en farm pour l'instant, il a 0-0-0. Donc, il veut essayer de mettre du rythme. Il veut essayer de montrer qu'il est là pour peut-être aussi faire peur au lane. Yasuo qui veut essayer de mettre la pression sur Orianna. Le Hulk qui était placé ne sera pas assez pour faire ce dégât. Est-ce qu'on va être capable d'aller finir? Mais le flash qui a été placé par Orianna pour s'en sauver. Beaucoup de flashs claqués, ouais. Un flash défensif à nouveau. C'est pas des mauvais flashs? Non. Mais ouais. Malheureusement, c'est des flashs obligatoires. Hein. Flash obligatoire pour ne pas mourir, donc c'est bien joué de leur part. Ils savent peut-être, comme je disais, les mécaniques sont rodées, ils savent à quel moment ils peuvent faire ce genre de move, tenter ou même parfois subir pour essayer d'attirer le jungle. Voilà. Et puis là, justement, j'en parlais, Jarvan qui rentre sur Yasuo, qui claque l'Ignite et
c'est le kill pris. Complètement fatal. Jar 24 qui a enfin réussi d'aller chercher un kill dans une lane. Donc, bien joué pour lui. On était prêts. On sait que les SEO commencent à prendre de la confiance et puis viennent de lui enlever. Kripo, là, il a dit non, là, ça y est, je commence. Fais gaffe à toi, c'est Joanie. Hein, parce que je peux être présent aussi sur les lanes et je peux faire du bien à l'équipe avec une bonne capacité à bouger à... puis à faire les dégâts aussi. Son ult qui permet de totalement anéantir les mouvements du joueur. Effectivement, là, c'est sûr que pour l'instant, il y a Sio qui a plus de possibilités de bouger là, sur sa lane. On peut farmer là, en essayant d'éviter le maximum d'attaques possible d'Orianna. Mais plus tard dans la partie, Orianna, ça peut faire très mal. Oui, c'est peut-être qu'on va arriver pour jouer en équipe. Oh là, il y a le flash agressif de Jarvan. C'est bien suivi là. Et puis, ils vont en faire qu'une bouchée, je pense, pendant Kaiser qui ne va pas pouvoir faire grand-chose. Parce que le Atroce plus Jarvan sur Mona Kaiser, il a beau s'appeler Mona Kaiser, et ben ça revient au même. I am Rocket qui tombe et deux kills pris pour Sherbrooke. Jar 24, on n'arrête pas d'en parler. Là. C'est quasiment rendu là, Jésus dans la Bible. Mais il est vraiment partout. Il est partout. Il est dans chacune des lanes. Il ne perd même pas son temps. On se demande s'il farme. On se demande s'il bouge dans sa propre jungle. Il est toujours dans les lanes. Donc là, on peut le voir même aller jouer dans la jungle adverse, là, essayer d'enlever quelques camps. Lui, ces monstres, ce sera pour plus tard. Pour l'instant, on a autre chose à faire. Mais le placement de Jarvan aussi a permis à Edouard Monpetit de faire le premier dragon de cette partie en toute sécurité parce qu'il savait exactement où est-ce qu'il était. Donc, il n'y avait pas de gros risques majeurs. Ils l'ont fait à 3, il me semble. Donc, c'est bien sécurisé, Edouard Monpetit. Ils sont derrière au kill, mais ils ne perdent pas quand même la vision l'esprit du jeu. Eh oui. Donc là, quand même, on est quand même à 9 minutes là, 35 du jeu. Et puis on a encore seulement 3 kills de prix. Donc ça laisse encore la possibilité des deux équipes de gagner. Mais c'est sûr que là, pour l'instant, là, le début de partie est un petit peu difficile pour Edouard Petit. Ça va être à voir là, pour qu'est-ce qu'on va faire. C'est sûr que là, on parlait tantôt d'un début de partie qui était plus dur. Un peu plus dur à la botlane, étant donné qu'on a une veine. Donc, ça laisse à voir. Mordekaiser qui. Surtout qu'il va avoir quand même beaucoup de vie. Il va quand même rester une bonne front lane. Oh, ils vont chercher à. C'est sûr. Oula, là, il y a le lutte de Shivani qui immobilise complètement la mid laneuse. Là. Et puis, oh là là, ça va prendre cher, ça va tomber. Oh, il y en a qui tombent. Oh, il y a Zio qui va suivre le chemin. Encore un Jarvan qui est présent pour répondre à l'attaque de Sejuani, justement, et peut-être qu'il va prendre le deuxième kill. Et voilà, sous la tour, tranquille, Emile, comme on dit. Kripo qui fait le beau jeu pour son équipe. Pixel, c'est très bien exécuté, encore une fois. Effectivement, là, on va faire très attention, par contre, parce que là, on est à 3 kills sur Jarvan. C'est sûr que si on prend toutes les kills, peut-être, ça peut être un petit peu difficile pour les autres là, de revenir en arrière. On voit, tu sais, vraiment 0-2 du côté d'Ariana. On s'attendait vraiment à un début de partie de Sherbrooke. Pour l'instant, ils ne nous font pas mentir du tout. On voit la Zaya qui domine en termes de last hit, 94 à 69. Puis il y a juste à voir cette image, la botlane et push. Ça commence à push et puis ouais, on voit que la Zaya commence à prendre le dessus sur Vayne. Tout à fait. Donc là, on a les râles qui va être pris par Sherbrooke qui leur permet probablement d'aller chercher la première tour de la partie. Si c'est bien placé, évidemment. Mais bon, pour l'instant, c'est pas une personne dans une ligne qui va pouvoir arrêter l'Hérald. Non, donc, pour l'instant. Moi, je m'attends pour le premier tour qui est pris par Sherbrooke, là, donc qui va encore pouvoir prendre plus d'avantages de go. On est déjà à 2000 gold d'avantage sur Sherbrooke. Donc là, on part peut-être pour un autre en supplémentaire. Là. Et c'est quand même tôt, un petit Hérald à 11 minutes 30 de jeu. C'est quand même tôt. Donc ça peut vraiment permettre à Sherbrooke de prendre un avantage assez rapidement dans ce early game, début mid game. Donc c'est en général c'est là où tout se fait le mid game. Les tanks, c'est là où ils deviennent plus tanky,